tout ce que vous êtes. Voyons pourquoi David disait, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Je pense qu'il avait réalisé qui est vraiment réellement chaman. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous voulons encore nous entretenir sur notre sujet de la foi dernière. La deuxième partie, de quel est l'esprit qui te conduit? Ensemble, bien-aimés, nous avons vu lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, la Bible dit nous sommes fils de Dieu. Et lorsque nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas non plus fils ou filles de Dieu. Cela veut dire en nous-mêmes, nous avons les capacités, les possibilités de savoir si réellement nous sommes filles ou fils de Dieu. Cela implique à dire comme quoi nous avons des obligations, nous avons des choses à produire, des éléments à produire pour confirmer notre identité. Bien aimé, on ne naît pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que on est né dans une famille soi-disant chrétienne qu'on est chrétien. Ça n'a rien à voir avec enfant de Dieu. Je parle de l'enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fait partie d'une congrégation. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est dans une église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est dans les 5 ministères. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on dirige une église. On est enfant de Dieu par adoption, par acceptation. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 5, la Bible dit, ceux qui sont conduits, j'aimerais que nous lisons la parole de Dieu. Prenons dans Jean chapitre 4, pardon, Jean chapitre 3. Je vais lire le verset 6. Écoutez ce que Jésus dit par rapport à ce que j'étais en train d'expliquer. Il dit ceci. Vous connaissez ce chapitre? Il dit ceci à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et cela nous ramène directement à notre thème de ce matin. Quel est l'esprit qui te conduit? Est-ce que c'est l'esprit de la chair ou c'est l'esprit de vie? Lorsque nous nous posons cette question, l'apôtre nous amène, à partir du verset 17, à comprendre ou à nous rendre compte si réellement nous sommes conduits par l'esprit de vie où nous sommes toujours dans la chair. Oui, bien-aimés, croyez-moi, on peut être à l'église et être dans la chair, marcher selon la chair, vivre dans la chair, demeurer dans la chair. On peut être pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, tout ce que vous voulez, et demeurer dans la chair. L'apôtre dit ceci, au verset 17, Galates chapitre 5, au verset 17. Je commence au verset 16. Je vous dis donc, marchez par l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ou point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a aussi des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Je l'avais dit la fois dernière, la loi condamne l'homme, tandis que l'esprit élève l'homme. Je m'explique. La loi dit, toute personne qui vole est condamnée à autant d'années de prison, est condamné à telle peine. Ça, c'est la loi. Mais l'esprit, lorsque l'esprit vient, l'esprit transcende la loi, parce que l'esprit a des désirs contraires à celui de la chair. C'est la chair qui nous pousse à violer la loi. C'est la chair qui nous pousse à voler. C'est la chair qui nous pousse à commettre tous les méfaits que nous commettons. Voilà pourquoi la Bible dit, les désirs de la chair est contraire à celui de l'esprit. Je dis, l'esprit élève l'homme. Lorsque la chair te pousse à voler, l'esprit vient t'élever au-dessus du vol pour te dire comme quoi, mais ça ne t'appartient pas. Voler, c'est mauvais. Voler, c'est péché. Du coup, tu passes au-dessus de la désobéissance et tu commences à vivre dans le monde de Dieu. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça la préoccupation du Seigneur ce matin. C'est ce qu'il voulait nous interpeller ce matin. Est-ce que nous marchons selon la chair ou nous marchons selon l'esprit? Quels sont tes désirs? Sont-ils conformes aux désirs de Dieu? Sont-ils conformes aux aspirations de Dieu? Quels sont tes désirs? Quels sont tes désirs, bien-aimés? Lorsque tu as un désir, tu essaies un peu de les confronter avec les désirs de l'esprit. Où tu penses, comme tu es un enfant de Dieu, tous tes désirs sont dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la plupart des temps, nous avons voulu amener Dieu comme un garçon de course pour qu'il vienne mettre son sceau sur nos désirs. Alors la Bible dit, la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Nous avons lu dans les livres de Jean, qu'est-ce que la Bible dit? Ce qui est né de la chair est chair. Toi, tu es né de la chair, tu es un pur produit de la chair. Tu ne peux rien produire de bon. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire l'homme sans Christ est mort. La Bible l'appelle l'homme animal. L'homme de lui-même, même s'il s'efforce, il ne peut pas vaincre la loi. Partons seulement des 10 commandements. Or, la loi dit, celui qui en vole une seulement, il a violé les 10. Voilà les contraintes de la loi. Et nous, bien-aimés, lorsque nous sommes passés de la mort à la vie, lorsque nous avons amené la chair à la croix, selon ce qui est écrit dans même Galates, lorsque nous avons condamné la chair, lorsque nous avons crucifié la chair, lorsque nous l'avons substitué à Jésus et nous avons pris la vie de Jésus, bien-aimé. Certainement, nous sommes dans la chair. C'est vrai, nous sommes encore dans la chair. Mais lorsque nous avons fait cette démarche, le Saint-Esprit, voilà la raison pour laquelle, dans Jean 15, Jésus dira à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Et moi, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. » Le Saint-Esprit, dans son vrai sens,
c'est une aide. Et lorsque nous parlons seulement des consolateurs, les gens ils pensent que le Saint-Esprit il vient seulement lorsque nous sommes dans la détresse pour nous. Non, c'est une aide dans tous les domaines de ta vie. Si tu as besoin d'une aide, le Saint-Esprit est là. Tu n'arrives pas à marcher dans la sainteté. Tu n'arrives pas à tenir dans la droiture. Tu n'arrives pas à te contenir. Le Saint-Esprit est là. C'est une aide, le paraclet. Voilà dans le vrai sens du mot. Le paraclet veut dire une aide. Et cette aide est excellente. C'est une aide parfaite. Et lorsque le Saint-Esprit, il vient, il nous accorde tous les avantages dont a parlé Jésus. Et la Bible dit, à ce moment-là, vous ne marchez plus selon la chair. La chair est toujours là. La chair n'est pas morte. Nous l'avons crucifiée. C'est-à-dire, nous ne nous dépendons plus d'elle. Nous sommes dépendants de l'esprit, vivant dans la chair. Nous avons besoin de la chair pour aller au travail, pour manger, pour vaquer dans nos occupations, pour faire tout ce que nous avons besoin pour enfin louer et adorer le Seigneur. Je n'ai pas dit, même lorsqu'on dit aller crucifier la chair, je n'ai dit à personne d'aller flageller sa chair ou d'aller maltraiter sa chair. Non. Non. Et très souvent dans nos milieux, j'ai entendu, bon, on jeûne pour essayer de crucifier la chair. Non, on ne jeûne pas pour crucifier la chair. On crucifie la chair les jours où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une substitution. Il y a ce que les Anglais appellent « exchange ». Il y a échange, c'est que nous traduisons par « alliance ». Je ne fais pas alliance avec mon épouse les jours de notre mariage et après, quelques temps après, je viens encore faire l'alliance. Non, ça c'est de l'hérésie. Ça, c'est de l'hérésie. Lorsqu'on jeûne, on ne jeûne pas seulement pour la nourriture, on peut jeûner pour tout ce qui a un avantage humain. On peut s'abstenir des lits, on peut s'abstenir de sa femme, on peut s'abstenir de son mari. Jeûne, c'est une privation. On ne dit pas que seulement privation de la nourriture. Ce n'est pas mon sujet, excusez-moi. Je disais, bien aimé, dans ce que nous sommes en train de dire, le Seigneur ne nous a pas laissés ignorants. Marchez selon l'Esprit. Et lorsque Jésus parle de la nouvelle naissance, il dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Nicodème, tu es né de la chair jusqu'à ce que tu comprennes ce que je t'ai dit. Jusqu'à ce que tu viennes avec ta vie, tu l'abandonnes, tu me la donnes, tu t'abandonnes à moi. À ce moment-là, il y a cet échange, cette alliance, et tu deviens un homme spirituel. Un homme spirituel, bien-aimé, ce n'est pas celui qui parle, je vous dis, bon, vous croyez, vous voyez, le Seigneur est tellement merveilleux. Il parle au passé simple, ce n'est pas ça. Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui vient, Rasakata rundo sobo remache, ce n'est pas ça. Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui dit, il y a une personne, le Seigneur, ce n'est même pas ça. Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui balance sa main et tout le monde tombe par terre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le monde, c'est enfer. Et Dingue le fait, et Dingue, c'est un homme spirituel. Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui jeûne 40 jours, 40 nuits. Ce n'est pas ça. Un homme spirituel, et celui qui est né de nouveau, et il s'efforce à marcher en nouveauté de vie, en s'abandonnant par la direction du Saint-Esprit. Bien aimé, nous ne vivons plus, si je dis nous ne vivons plus, les temps où Christ s'est manifesté dans la chair. Je voulais dire, nous ne vivons pas les temps de Jésus manifesté en chair. Nous vivons les temps du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je vous l'enverrai. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre. Pour parler d'un autre, il aura fallu qu'il y ait un précédent. Et le précédent consolateur, celui qui a précédé le Saint-Esprit, c'est Jésus. Lorsqu'il était avec les disciples, lorsqu'il vivait dans le monde, il vivait
sauver l'homme de son péché. Et quand il a voulu monter au ciel, quand il a voulu aller au ciel, c'est à ce moment-là, bien-aimé, excusez-moi, c'est à ce moment-là où le Seigneur, il devient, il dit, moi je m'en vais. Je vous enverrai un autre consolateur. Cet autre consolateur, c'est celui que nous appelons le Saint-Esprit, l'aide par excellence, le paraclet. Le paraclet. C'est comme si on dit aujourd'hui, tu vas dans une société où les règles sont établies, on te dit, avant de voir les directeurs, tu dois passer par les secrétariats. Non, toi, tu dis non. Comme on s'est appelé avec les directeurs, je connais les directeurs, je vais directement laisser moi passer, mais ça ne se passe pas comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, on n'a pas appelé le Saint-Esprit. On ne l'a pas appelé paraclet. L'Esprit du Seigneur. Et lorsque le Seigneur Jésus vient, le Saint-Esprit témoigne son ministère, il accompagne. Et pourquoi nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous ne voulons pas être accompagnés, aidés par le Saint-Esprit? Les premières paroles bibliques de Jésus, officielles, solennelles, de Jésus. Vous les connaissez? Jésus ne s'est pas présenté comme « Je suis le Fils de Dieu ». L'ange l'avait déjà inauguré. L'ange l'avait déjà présenté. Il ne s'est pas vanté de ses mérites. Il ne s'est pas vanté de ses titres. Il ne s'est pas vanté de ce qu'il était. L'ange l'avait déjà fait. Oh, je voulais dire à quelqu'un, laisse que l'ange te présente. Laisse que l'ange t'exalte, l'ange t'inaugure. Ne va pas partout balancer ton titre, réclamer je ne sais quoi. Jésus n'est pas venu réclamer ses droits. L'ange l'avait déjà fait. Plaise à Dieu que les gens les connaissent, ceux qui sont dans l'ignorance. Vous pouvez aller lire des évangiles, vous verrez que l'ange l'avait déjà fait. Mais lorsque lui-même, il dit, il vient pas balancer « Je suis prophète, docteur ». Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il m'a envoyé. » L'Esprit du Seigneur, l'Esprit convêtu en Dieu, sans pouvoir accepter l'Esprit de Dieu. Je ne vois pas comment. Jésus voulait dire, je commence ce travail parce que Dieu m'a qualifié. Dieu m'a donné son sceau. Dieu m'a donné son aval. Dieu m'a donné les capacités de faire ce que je veux faire. Je vais libérer les captifs. Je vais annoncer l'année de grâce. Je vais faire, je vais, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quel est l'esprit qui te conduit? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà l'homme spirituel. L'homme spirituel est celui qui est né de l'esprit. L'homme spirituel n'est pas dans les apparences. L'homme spirituel n'est pas dans les grimaces. Au banc, ça vit sauter. Même si tu parles la langue, même si tu arrêtes la pluie, au banc, ça vit sauter. Je ne suis jamais impressionné quand je vois les gens faire les miracles, quand je vois les gens parler en langue, quand je vois les gens faire tomber les gens. Je ne suis jamais impressionné. Ce qui m'impressionne, lorsque je vois un jeune homme, une jeune fille, marchant dans la crainte et dans l'obéissance de Dieu, c'est ce qui m'impressionne. C'est ce qui m'impressionne. Les miracles, le monde sait en faire. C'est qui a fait voler l'avion? C'est un grand miracle. Ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, est-ce que je marche selon les voies du Seigneur? Est-ce que je suis encore en relation, en communion avec ce Seigneur? C'est ça ma préoccupation.
Je ne suis pas impressionné, bien-aimé. Ces choses-là ne m'impressionnent pas. Ne m'impressionnent pas. Ce qui m'impressionne, lorsque je vois un jeune homme, alors qu'il est jeune, il peut faire sa vie. Je vois une jeune fille, alors qu'elle est jeune, elle peut faire sa vie, mais elle se donne à Jésus. Elle marche en nouveauté de vie, elle craint le Seigneur. Il marche en s'efforçant malgré ses faiblesses, en s'accrochant les hauts, les bas. Il persévère jusqu'à ce que le Seigneur le délivre. C'est ce qui m'impressionne. Quel est l'esprit qui te conduit? L'esprit de la chair. Qui dit, ah, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne tout. Jésus a multiplié, Jésus a quoi? A changé l'eau en vin. Dieu est bon. Quel est l'esprit qui te conduit? La Bible dit, dans Matthieu chapitre 7, à partir du 20e vers, du 16e verset, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Ici, c'est Jésus qui parle. Je préfère que nous commençons au verset 12 jusqu'au 20. Souffrez que nous fassions la lecture. Lisons la parole de Dieu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je reprends. On commence vraiment au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui amène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré les chemins qui mènent à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu ces chemins. Cette porte étroite et ces chemins resserrés qui amènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Es-tu parmi ces peu-là qui trouvent ces chemins? La Bible dit, les chemins qui mènent à la perdition, la porte qui fait entrer à la perdition, on ne les trouve pas. La Bible dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup y entrent par là. Ils n'ont même pas besoin de chercher. Ils n'ont même pas besoin de chercher. Beaucoup le monde. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Pardon, verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans de ce sont de loups ravisseurs. Gardez-vous de faux prophètes. Ici, le mot prophète n'est pas employé comme le ministère ou le don. Le mot prophète est employé pour désigner toute personne qui parle de la part de Dieu, qui prêche l'évangile. Gardez-vous de toutes ces personnes qui viennent en brebis alors que c'est des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. À leur fruit, pardon. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits.
Bien-aimés, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas produire ce qu'on n'est pas. Ce que nous produisons, c'est ce que nous sommes. Réjouis-toi, bien-aimé. Lorsque tu vois un défaut, tu vois un péché, tu vois un truc qui sort de toi. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, réjouis-toi. C'est l'occasion qui t'est donnée de reconnaître que tu as tel ou tel défaut, tu as tel ou tel problème pour aller te déverser devant le Seigneur, demander sa grâce et sa direction. Tout arbre qui ne produit pas les bons fruits est coupé et jeté au feu. Quel est l'esprit qui te conduit? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien-aimés, est-ce que vous voulez encore qu'on explique? J'ai expliqué ce qu'il y avait à expliquer. Parce que sinon, quelqu'un aurait pu me poser la question, « Ah, ici, on n'a parlé que des prophètes, on n'a pas parlé d'évangélistes. » J'ai dit de toute personne qui parle de la part du Seigneur, qui annonce l'évangile, qui annonce la parole de Dieu. Porte-parole. Ici, le mot qui est traduit par prophète, c'est porte-parole. Gardez-vous de tous les porte-paroles. Tout porte-parole n'est pas porte-parole de Dieu. La Bible est à la portée de tout le monde, bien-aimé. On ne peut pas empêcher les gens de lire la Bible. Mais le Seigneur nous avertit, il nous dit une chose. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits de la chair est chair. Les fruits de l'esprit est esprit. Quel est le fruit que nous produisons? Moi, étant que pasteur responsable, quel est le fruit que je reproduis? La question m'est posée et la même, elle vous est posée aussi. Quels sont les fruits que vous produisez étant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, étant que ministre de Dieu? Quel est le fruit que vous produisez? Ce qui est né de la chair est chair. Quel est l'esprit qui te conduit? Et l'apôtre nous dit dans Galates 5, notre texte de prédilection, c'est Galates 5. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est-à-dire, il y a une lutte. Ça ne coule pas. Et c'est cette lutte-là qui fera ta personnalité. Et c'est cette lutte-là qui fera ce que tu es. Ne te laisse pas séduire par des petites choses. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas se faire tomber par des petites choses. Il faut avoir un caractère, il faut avoir un charisme, avoir une personnalité. Des fois, il faut avoir la honte. Quand tu commets certaines choses, tout en étant enfant de Dieu. Regarde-toi, dis-toi, mais là, j'ai le costume d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je fais là? Là, j'ai le costume d'un pasteur. Mais où je me retrouve? Où je me retrouve? Ne sois pas la chair, ne vis pas seulement dans la chair, ne reste pas cramponné dans la chair. Ce qui est né de la chair est chair, bien-aimé. Même si tu t'efforces, tu fournis des efforts, tu te bats, si tu es à la chair, si tu vis dans la chair, tu resteras dans la chair. La chair n'est changée que par la loi de l'esprit. C'est l'esprit qui change la chair. La chair ne pourra jamais changer l'esprit. Il faut avoir une personnalité, bien-aimé. Voilà pourquoi vous verrez les personnalités de ces mondes, même s'ils sont là, costumés, cravatés, tout, avec les honneurs. Après, le soir, vous les verrez, se déguiser, moto, casque, en train d'aller voir quelqu'un dissimulé comme ça. Ça, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. C'est trop bas. C'est trop bas. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a développé un caractère, il a une personnalité dans le Seigneur.
La chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. L'esprit est humble. Remarquez-vous, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit créateur, c'est lui qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors que la terre était tohu-bohu. Cet esprit-là, qui n'a pas de limites, il vient habiter en moi. Quelle humilité, quelle simplicité, voire même des fois, il me supplie, ne fais pas cela. Et la Bible dit, ne l'attristez pas. Un bon. C'est-à-dire, nous arrivons à attrister l'esprit créateur. Bien-aimé, regarde-toi tel que tu es. Tu es qui? Tu es quoi devant Dieu? Mais tu arrives à attrister le Saint-Esprit de Dieu. Tu l'arrives à les faire taire. Même au moment où je parle, il est triste. Il nous regarde, il est attristé. Pourquoi il est-il attristé? Parce qu'il ne nous voit pas lui faire confiance. Il est là pour nous. Depuis qu'il est venu le jour de la Pentecôte, il n'est plus remonté, il est avec nous. Nous lui mettons de côté. Nous regardons ce que nous sommes. Quel est l'esprit qui te conduit? Laisse-moi te dire une chose. Aussi longtemps que tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, tu n'es que chair et chair. Quoi que tu fasses, tu ne resteras chair et chair. Ta chair a besoin de la part de l'Esprit. Seul le Saint-Esprit peut dominer la chair. Seul le Saint-Esprit qui peut t'amener à produire les fruits dignes de la repentance. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas sous la loi. Tu vois pourquoi? Nous disons des fois, il y a certaines pratiques dans nos églises qui ne révèlent pas. Ils ne sont même pas dignes d'être appliquées. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. La loi n'a aucune influence sur vous. La loi n'a aucune conséquence néfaste sur votre vie. Parce que vous marchez selon l'Esprit. Celui qui marche selon l'Esprit, il vise la croix. Il regarde la croix. Il fixe la croix. Il a un objectif à atteindre. Celui qui marche selon l'Esprit, il attend la cité céleste qui descendra du ciel. Celui qui vit selon l'Esprit, il vit à l'honneur de son Sauveur. Continuons. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite. Les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite. L'inconduite, en d'autres termes, dans d'autres versions, c'est la fornication. Tu as déjà lu ces versets. Et lorsque tu as lu les œuvres de la chair, tu t'es dit, moi, je ne fais pas la fornication. Donc, cela ne me concerne pas. Mais bien aimé, la fornication dont parle la Bible, ce n'est pas seulement dans l'acte sexuel. La fornication, et tout fornicateur et toute personne qui viole la loi de Dieu, c'est tout contrevenant moral
à une religion. Tout acte que tu poses qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu, tu es contrevenant. Et lorsque tu as lu cela, tu t'es dit, non, moi, je ne suis pas fornicateur. Mais oui, la fornication ici, ce n'est pas seulement dans le domaine sexuel. C'est comme lorsque Dieu parle d'Israël, il parle d'Israël est adultère. Israël n'est pas allé faire des relations intimes avec une femme. C'est tout contrevenant moral par rapport à une religion, par rapport à une pratique, par rapport aux normes. Regarde, qu'est-ce que vous voulez que je dise par là? Les œuvres de la chair. La chair nous pousse à violer la loi de Dieu. La chair nous pousse à désobéir à Dieu. La chair nous pousse à pécher. L'impureté. L'impureté, c'est le caractère de ce qui est impur. Des fois même, tu n'as même pas compris. Bon, ça ne me regarde pas. Laisse-moi te dire ce matin, ça te regarde. Est impur et tout mélange des substances étranges. Et tout mélange des substances étranges dans quelque chose qui est pur. Tous les mélanges que tu fais dans le christianisme, tous les mélanges que tu fais dans ta relation avec Dieu, c'est de l'impureté. Certaines personnes y croient que l'impureté, c'est quoi? C'est d'aller s'accoupler avec la zoophilie, c'est je ne sais. Non, l'impureté est tout mélange que nous faisons dans la vie de Dieu. Et tout mélange. Lorsque je vais à l'église, mais à côté, j'ai un petit prophète à moi qui est au pays que j'appelle de temps en temps, qui me dit des choses. Fais attention, j'ai rêvé, tu as rêvé. Fais attention, j'ai vu ton père, j'ai vu ta mère, j'ai vu ton oncle. Fais attention. C'est de l'impureté. David disait, ta parole est pure. La parole est pure. Tout ce que nous mélangeons et qui n'est pas dans la parole, bien-aimé, c'est de l'impureté. Toute pratique qui n'est pas commode à la parole de Dieu, c'est de l'impureté. C'est les œuvres de la chair. Vous qui avez vos petits prophètes ou vos grands prophètes que vous appelez qui vous disent des choses, continuez, persévérez. La Bible dit que, la Bible le dit même dans Apocalypse, les derniers livres, il encourage, il dit, celui qui croise dans le mal, qu'il persévère dans le mal. Persévérez avec vos prophètes. La vraie prophétie, vous ne voulez pas vous attarder à lire la parole de Dieu. Vous ne voulez pas vous attarder à comprendre les choses de Dieu. Persévérez, continuez. Allez encore plus loin. Allez encore plus loin. Vous ne voulez pas chercher la révélation de Dieu par sa parole, dans sa parole. Et vous voulez que les gens vous disent des choses. C'est de l'impureté. C'est de l'impureté. Quelle bassesse. Vous croyez que Dieu fait du favoritisme? À ce que je sache, dans ma Bible, il est écrit, il ne fait exception de personne. Mais dans toute nation, celui qui le craint, il le fait grâce. Vous croyez que vos prophètes là que vous appelez, parce qu'ils croient, ils sont spéciaux ou spéciaux? Les vrais prophètes de ta vie, c'est toi-même. C'est ton esprit, c'est ta conscience. La débauche. La débauche, ah, de toute façon, moi, je ne suis pas prostituée. Je ne débauche pas, je ne suis pas dévergondée. Donc, cela ne me concerne pas. Et débauche, et tout, ex,
tout excès de plaisir sensuel. Tout excès de plaisir sensuel. On en parlera de ça peut-être prochainement avec les couples. Et débaucher, ce n'est pas seulement cette fille que nous voyons dans la rue ou cette fille que nous voyons au Bois de Boulogne, je ne sais pas où, à Pigalle. Et débaucher est toute personne, même tout en étant enfant de Dieu, tu es accro à ces choses. Et tout désir excessif, et tout désir sensuel excessif. Excessif, pardon. Et la Bible appelle cela la débauche. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un amour excessif. Je ne parle pas d'un culte rendu à une divinité, rendu à une représentation qu'on considère comme Dieu. Je vais prendre la deuxième signification, c'est un amour excessif. Qu'est-ce que t'aimes tant plus que Dieu? Il y en a qui aiment leur mari, qui aiment leur femme. Ce n'est pas mauvais, mais lorsque cela devient excessif, cela peut nuire, cela peut faire entrave à ta vie chrétienne. Lorsque tu aimes tes enfants plus que Dieu, oh, je ne dis pas de ne pas aimer ses enfants. Je dis dans l'exagération. On doit aimer nos maris, on doit aimer nos femmes, on doit aimer nos enfants. Mais on doit faire la part des choses. Quand il s'agit de s'occuper de nos maris, de s'occuper de nos femmes, de nos enfants, de nos foyers, de nos familles, il faut les faire excellemment. Mais quand il s'agit aussi d'aimer Dieu, nous devrions le faire. Dieu est un Dieu d'équilibre. La magie. Tu as sauté, tu as dit, ah, moi je ne suis pas magicien, je n'ai jamais été magicien, donc cela ne me concerne pas. Mais je vais prendre une définition de la magie qui dit, c'est une séduction forte et inexpliquée. Qu'est-ce que je vais dire par là? Avez-vous déjà entendu cette phrase? La magie de la musique. Alors que la musique ne fait pas de formules magiques. Cette expression, la magie de la musique. C'est une séduction forte et inexpliquée. Il y en a qui ont une séduction à l'égard de leur pasteur, à l'égard de leur dirigeant. Ils ont une séduction à l'égard de leur église et l'air local. Séduction à l'égard du dirigeant de la chorale. Ah, moi, quand je le vois, je craque. Ah, moi, quand le pasteur, il parle. Moi, oh, calme-toi. La haine. C'est une aversion profonde et forte et violente même pour quelqu'un, la haine. Tu l'aimes pas, pourquoi? Je sais pas, mais je l'aime pas, je ne le supporte pas. En d'autres termes, pour essayer un peu de lighter ça, de rendre ça un peu light, je l'aime pas, je supporte pas. On ne dit pas que j'ai de la haine. Non, je l'aime pas, je supporte pas. J'aime pas sa tête. Sa tête ne me plaît pas. Pour quelle raison? Rien. La haine, gratuitement. Tu as de la haine pour quelqu'un. Un membre de ta famille, un collègue du travail. Tu as de la haine. Pour un ami, tu as de la haine parce qu'il t'a fait quelque chose, il t'a fait quelque chose que tu n'as pas digéré.
et tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes même pas entendre parler de lui. Tu n'aimes même pas mentionner. Tu ne veux même pas penser à lui. La haine. Quel est l'esprit qui te conduit parmi tout ce que je viens d'énumérer? Les querelles, désaccords qui entraînent des échanges vifs, voire agressifs et sentencieux. Ce que nous les Congolais, nous appelons des fois polémiques. À l'église, enfants de Dieu. Les gens, ils pensent querelle, quereller, c'est avec la voix. Non, des fois, ça peut être douce. Des fois, ça peut être agressif. Et aujourd'hui, nous le voyons sur le plateau des émissions sur Internet. Ceux qui portent le nom des serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu, en train de s'agresser sur le plateau. Il y en a même qui en viennent à main. Il y a la violence verbale, la violence physique. Et nous applaudissons. Nous sommes là, nous avons regardé les précédents épisodes de Denis Lessi. Nous attendons le prochain. Ah, Denis Lessi, comment l'on va vérité? Denis Lessi commence maintenant à dire la vérité. Gloire à Dieu. Il y a deux sortes de vérités. Il y a une vérité qui détruit et il y a une vérité qui guérit. Il est dans quelle vérité, Denis? Toute vérité est bonne à dire. Mais on ne dit pas la vérité parce qu'on croit avoir la vérité. On dit la vérité parce que la vérité reste la vérité. Et il faut avoir des manières et la sagesse de dire la vérité. Et vous viendrez me prêcher comme quoi, si quelqu'un te donne un... Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, il faudrait donner la joue droite. Et la douceur, quel est l'esprit qui te conduit? La douceur, c'est un fruit de l'esprit. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Quel est l'esprit qui te conduit, bien-aimé? Toi, tu vas toujours chercher. Il est où Roger Baka? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est où Jeff Fifonge? Qu'est-ce qu'il a dit? Polémique. Tu nourris ton esprit avec des polémiques, avec des discussions stériles qui t'amènera nulle part. Et dites-moi, pour ces gens qui ne connaissent pas ces gens-là, pour les enfants de Dieu qui ne connaissent pas ces gens-là, ils entendront où la vérité? Ils seront rachetés par quel moyen? Réveillons-nous, bien-aimés. Quel est l'esprit qui te conduit? Avec quoi tu nourris ton esprit? Avec quoi? Avec quelle matière? Toi, tu vas seulement sur Internet pour chercher Babundaki, Baswanaki, Bafingaki, vie de loi. Hey! Quand est-ce que tu vas chercher la sainteté? Comment marcher dans la sainteté? Comment marcher dans la persévérance? Marcher dans la paix? Comment marcher dans la joie? Comment vivre paisiblement la vie de Dieu? Tu vas nourrir ton esprit avec des banalités, des bassesses. Quel est l'esprit qui te conduit? Ce qui est né de la chair est chair. Une vérité qui est dite par la chair est chair. La parole de Dieu est dite par la chair est chair. D'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer une chose. Parmi les fruits de la chair, à partir de la haine, tout ce qui reste, c'est au pluriel. Donc, il y en a plusieurs. N'allez pas les lire seulement en croyant, en vous plaçant sous une définition ou à ce que vous pensez que vous n'êtes pas. Il faut creuser dans la parole. Aller encore en profondeur. Tu peux te dire que moi, je n'ai de la haine envers personne. Mais c'est au pluriel. Donc, il y a plusieurs sortes de haine. Les jalousies. Il y a plusieurs sortes de jalousies.
Tu ne jalouses pas tes amis, tu ne jalouses pas les membres de ta famille. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais peut-être que quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois peut-être à la télé, tu te dis, mais comment lui, il a fait pour arriver là? Ah, moi, est-ce que moi aussi? Pourquoi seulement? La jalousie mal placée est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et les dégoûts. Tu es frustré parce que tu... Ah, elle est bien habillée. Bien aimée. Pour les vêtements, ils en ont là où ils ont dit qu'il y a des héros, coup d'œil dans le cas. Frustré parce que... Non! Que personne ne te fasse trembler. Qu'aucune circonstance ne te fasse trembler, bien aimé. Tu es unique. Si tu as une femme, dis-toi ta femme t'aime tel que tu es. Si tu es un homme, dis-toi que... Si tu es une femme, pardon, ton homme, il t'aime tel que tu es. Si tu es une femme, si tu es un homme, ta femme, elle t'aime tel que tu es. Si tu n'es pas marié, dis-toi, tu aimes-toi tel que tu es. Et les gens doivent t'aimer tel que tu es. Ne cherche pas l'extravagance, ne cherche pas à impressionner. Bien aimé, cela ne nous amènera nulle part. Nulle part. Vis ta vie simplement. Vis ta vie calmement. Permettez que nous continuions la semaine prochaine. Il nous reste six points à traiter. Le Seigneur nous donnera la troisième partie, c'est le dimanche prochain. Vraiment, je voudrais tout simplement nous faire comprendre quelles sont les attentes de Dieu pour nous. Quel est l'esprit qui t'est conduit? Que le Seigneur nous bénisse. Père, nous bénissons ta parole dans les cœurs. Nous te recommandons, Seigneur, toute personne qui aura la possibilité d'écouter ces messages. Bénis tes enfants, Seigneur, celles et ceux qui ont pris des résolutions, Seigneur, afin de se mettre en ordre. Saint-Esprit, merci de les aider. Nous recommandons ton peuple entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous.